Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je filme avec la nouvelle caméra. Donc on va voir si on voit une différence. Il faut que j'arrive à la prendre en main. Là je me vois. Enfin, ça va faire peut-être bizarre au début. C'est ça la nouvelle caméra? Ouais, c'est ça la nouvelle caméra. Et du coup, bah, c'est lundi! Lundi 26. Qui dit lundi 26 dit ce soir départ pour la France. C'est cool. Donc du coup, bah, là je prépare à faire une salade de pâtes. Qu'il soit tranquille la semaine. Il aura aussi des restes de saucisses, il sera lui un petit ricantonné. Hein, n'oubliera pas les petits pois, tout ça, tout ça. Ben voilà, on fait de l'organisation. Du coup, il s'est levé à 11h, peu cher, pour passer un peu de temps avec nous. J'espère que ce ne sera pas trop fatigué ce soir, chérie, quand même. Et voilà, puis là, il me reste encore, moi, les derniers préparatifs, tout ce qui est à faire de salle de bain, je n'ai toujours pas fait. À faire de salle de bain, toujours pas fait. Dernière paperasse que je prends, toujours pas faite. Voilà. Hein, mon grand garçon? Oui. Voir si j'arrive à tourner avec celle-là. Après, il faut que je descende le truc, il faut que je m'habitue. Coucou. Coucou! Où on va ce soir? À la France. Ouais! T'es content? Oui. Puis maman, en fait, toi, tu vas m'écrire le titre du jeu de champignons et de Mais. Mario. Puis moi, je vais essayer de jouer au Mario et avec les champignons. Eh oui! Et au revoir. Visite à l'envers. Ouais, parce que hier au magasin où on a acheté l'appareil photo, la Best Buy, là, il a essayé un petit jeu qu'il avait sur une tablette, du coup il a vu. Enfin, je m'habitue Je connais deux jeux. au focus, tout ça. Enfin bon, bref, du coup voilà, je reprends tantôt. Je ne sais pas repris. Parce que finalement, je sais pas, j'arrive pas à être prête. J'arrive pas à être prête. Il est 3h, donc Fred revient à 4h et on démarre. Et en fait, j'arrive pas à être prête. Je tourne, je vire dans mes affaires. Mais j'arrive pas à finir de préparer, je sais pas, je me désorganise, je sais pas quoi prendre, je sais pas enfin, quoi finir de prendre. Bon, bref, j'ai quand même fait deux sacs de collation pour attendre dans l'avion parce que je suis pas sûre qu'ils mangent les repas qu'ils vont proposer, même les petits déjeuners le matin. Enfin, donc voilà, quoi, je finis ça. Et puis voilà, quoi. Voilà quoi, déjà je vais finir la valise que je vous ai repris parce que vous me manquez, hein. Je fais un petit coucou. Mais voilà, rien de. Je vous reprends où? C'est contre-jour, je vous reprends tantôt. Bon les amis. Attends. Papa. C'est là. Il est 5h moins 10, si je ne me trompe pas. Et direction l'aéroport. C'est Donc. cool. C'est cool, ouais, t'es content, hein? Ouais, mais papa, il va nous porter à nous. Oui, tout le temps. À mon chéri. Donc voilà, on s'est habillé en pantalon, tout ça avec Nathan, parce que bah, dans l'avion, il fait toujours plus frais. On va arriver, c'est la canicule là-bas. Déjà là, il fait chaud. Et ma mère a dit, c'est la canicule là-bas. Donc bon, bah, on va bien voir ça, on va crever. On va vite se changer. Bah, allez, go! Et aussi, chez maman. Il fait super beau pour mon départ. La direction toujours l'aéroport. Coucou. Voilà. En attendant, on fait du coloriage. Une grande carte au McDonald's. Regarde, j'ai vu ce qu'il y a. Ouais. Donc on est arrêté au McDo, pas loin de l'aéroport. La Fred, il attend le service. Bon appétit, Nathan. Bon, les amis, on est garé à l'aéroport. On va prendre la navette pour y aller à l'aéroport. Et puis voilà quoi. Après, là, il est quelle heure là? 7h moins 20, je crois. Regardez l'avion qui décolle. Ah, t'as raison. Non. Bye bye. Pas si les papayes. Non, la valise. Ah, il va partir de la machine. Allez, c'est pour le deuxième. Tu arrives? Ça commence bien. Ma valise est coincée, les amis.
Elle ne veut pas partir. Elle est coincée. La fermeture éclair est coincée en dessous. C'est pareil, j'ai pas envie. J'ai envie de pleurer. Nathan. On va manquer. Attends, papa, il voulait que je lui filme un peu. Regarde l'avion pour papa. On va être les premiers dans l'avion, les Tessiens. À mon cœur. T'es cool? T'es content? Garçon? Bon, on a embarqué. Prioritairement. Papa, tu nous manques déjà. Ouais, papa, il va rester. Ouais, ouais. Et là, on va faire dodo là, dans l'avion. Hein? Ouais, le soleil se couche. Le soleil se couche. Tu sais quand je suis tombée, parce qu'on n'est pas au point. Que Nathan il a eu un ballon, un jeu de cartes, des écouteurs, des chips, des Kit Kat, un membre un garçon. Là on va regarder le film. Donc, il a du mal Nathan. Il a dormi 2 heures. Un grand garçon. Ciel bleu. Ah, ton nouvel appareil. Ouais. C'est un appareil photo. Nathan. Voilà, je sais pas si vous entendez. J'entends mes premières cigales. Écoutez bien. Dans le pin là-bas, ils sont. J'espère que vous allez les entendre.
Bon bref, il est 11h. 11h tu m'as dit ? 11h il est, tu m'as dit ? 11h moins 20. 11h moins 20. Et 11h moins 20, 10h moins 20. Donc en France, il est 4h moins 20, je pense, ou comme ça. Enfin bref, dans pas longtemps, dans 2h, je suis à 24h sans dormir. Oh, Nathan est arrivé, on attendait au bagage. En plus, il sortait pas dans les derniers prioritaires, mes bagages. D'un coup, il s'est pas encore sorti. Il a vomi de trucs. J'ai dû partir. La femme, il dit, je vous garde vos bagages. Moi, je fais, ben non, j'avais pas confiance en plus. Je sais pas combien de temps j'en ai. Les toilettes qu'il y a juste à côté, ils étaient fermées comme par hasard. J'ai gueulé à un agent de sécurité. Oh putain, la galère. Enfin bref, du coup, on est arrivé. Écoutez, là, vous les entendez bien là. Bon, il est ici en France 5h25, pour chez moi normalement 11h20. Ah ouais, il y a les deux. Pour chez moi 11h25. Et en fait, j'ai dormi 3 heures, donc éparpillé de 1h30 heure française à maintenant. Donc j'ai dormi 3 heures et à peine 3 heures éparpillé par quart d'heure. Je suis fracassée. Du coup, voilà. Du coup, je vais combiner en fait, le départ et l'arrivée là aujourd'hui. Et puis, on verra demain, une fois que je reprenne la forme, tout ça, quoi, je pense. J'ai entendu longtemps qu'il n'y avait que jouer là avec Mamou. Donc, voilà. J'ai eu Fred à 1h30, justement, avec. J'ai un vieil iPhone, il a un vieil iPhone et on s'en sert hors, sans carte, sans rien, avec les. Comment ça s'appelle l'iPhone, les. Quand c'est message, c'est les e-messages, et sinon c'est en visio, mais c'est un nom, je crois, je me rappelle plus. En FaceTime, voilà. Je commence à avoir mal à la tronche. Je suis fracassée, les amis, mais alors fracassée. Oh, mon Dieu, regardez. Il fait super chaud. Là, dans la maison, c'est un four. Et les cigales qui n'en peuvent plus aussi. Enfin, donc voilà. Bref, je pense que je vais combiner les deux vidéos-là. Et là, ma mère veut qu'on fasse le planning là, quand est-ce qu'on va à la plage, tout ça. Qu'est-ce que on décongèle à manger ce soir. Donc voilà. Je sais pas si je vous reprends ou pas, mais au cas où. À tout à l'heure. Je retrouve les coquillettes extra. Extra petites. Ça m'a fait drôle de revoir les coquillettes comme ça. Elles sont toutes petites comparées au Québec. Regardez. J'arrive pas, ça ne pousse pas. Enfin voilà. Je suis fracassée, les amis, de chez Fracassée. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais parce que là, je dormais que 3 heures. Je sais, je radote, je suis vieille, que voulez-vous? Donc là, on s'est sorti, ma mère avait fait la paella au feu de bois. On s'est sorti ça pour ce soir. Et là, je fais cœur de pâte à Nathan, que voulez-vous? Et puis, je regarde un peu le prospectus de Carrefour, Lidl, tout ça. Là, je trouve des trucs intéressants. Parce que demain, c'est journée solde, journée Carrefour, journée Lidl. Donc, et voilà, paella, vous n'aurez pas l'odeur, mais. Oula, il a bué par contre. C'est la paella au feu de bois. J'ai eu congelé. Et fromage. Et salade.